votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, trois terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Bonsoir Jean-Mi. Et avec Jean-Mi ce soir, Armande Altaï. Armande, vous êtes notre TTO de la semaine et nous sommes très heureux d'accueillir l'une des plus grandes professeurs de chant du monde. La preuve, vous avez réussi à apprendre à chanter à Jennifer et à Jean-Pascal. Bravo. Julien Clerc. Julien Clerc, mesdames, messieurs, celui sans qui Carla Bruni ne serait jamais devenue chanteuse et peut-être que Nicolas Sarkozy aurait fini par épouser Chimène Badi. Et avec Julien Clerc ce soir, un autre chanteur qui parle des femmes, sauf que lui, c'est pas « Femme, je vous aime », c'est « J'aime les moches », ce soir tu vas prendre, c'est Max Boublil. Et en P3, après Le Zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h, ce soir, le surfeur Éric Dargent. Un requin lui a dévoré la jambe, mais grâce à une prothèse révolutionnaire et son incroyable ténacité, il a continué à surfer. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréements de Fortune. Thierry, combien font 65 x 7? Aucune idée, là. 4940. C'est pour montrer au patron de Canal que je suis plus intelligent que toi. Ils le savent, hein. Ils se font pas d'illusions. Julien Clerc, bonsoir. Bonsoir. Alors Julien, en préparant cette émission, j'ai retrouvé un document auquel je tiens beaucoup. C'est la première fois que je vous recevais. C'était la première de mon émission Bain de minuit au bain de douche. Ah oui. On regarde. Alors, on s'est connus au bain douche. C'est pour ça que j'ai voulu que tu fasses la première émission. Est-ce que tu sais que le 14 septembre, c'est l'enregistrement de la première de Bain de minuit, mais c'est aussi une date extrêmement importante. Est-ce que tu t'en souviens? Un petit village en Corse, une certaine Virginie Coupry. Bonsoir. On est là sur la couloir. Je vais faire souffler. Place, là. Tiens, pourquoi souffle. Déjà bah, souffle. Bah oui. Un, deux, trois. Bravo, ouais. Voilà, c'était Julien Clerc dans la première de Bain de minuit. Alors ça, c'était notre première émission. La dernière émission qu'on a fait ensemble il y a longtemps, il y a 10 ans, c'était sur le plateau de Rive droite, Rive gauche, une émission culturelle que je présentais sur Paris Première. Et c'est là que vous avez rencontré, Julien, Hélène. Hélène, qui travaillait dans l'équipe et qui est devenue votre femme. Oui. Ah, c'est beau. Je suis pas Hélène, mais je t'ai vu quand même. En fait, c'était pas Rive droite, Rive gauche, c'était tourner manège, l'émission. Ça doit être bizarre de se dire que sans Thierry Ardisson, on ne serait pas aussi heureux dans la vie, non? C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes heureux, là? Très. Grâce à moi. Alors, je ne vous ai pas vu depuis 10 ans. Ouais. Hélène, elle ne vous a pas laissé venir chez moi parce qu'elle a peur que vous rencontriez... vous voyez toujours avec Hélène? Oui, oui, bien sûr. Même dans les moments, disons, surtout intimes? Surtout, même tout, oui. Dans les moments intimes? Ouais. Tu devrais essayer, Max. Non, mais surtout, j'ai l'impression que je vais rencontrer quelqu'un ce soir. Voilà. Peut-être. En tous les cas, Julien, elle vous fait du bien. Vous avez une belle santé, vous êtes très en forme. Hein. Vous pesez toujours vos aliments, vous? Non. Non, c'est fini. Ouais. Et alors, les pétards, vous avez arrêté il y a 25 ans, je ne peux pas le croire. Oh ça. Oui. Ça me mettait mal. Hein. Ah oui. Surtout si je buvais en même temps, ah ouais. C'était pas terrible. Les frites, ça fait 40 ans que vous n'avez pas mangé une frite. Ah ben écoutez, non, là, j'en ai remangé récemment. Ah non. Mais vous êtes un modèle pour moi, Julien. Si, si vous mangez des frites, je vais me laisser aller. Non, mais c'est sûr que, oui, la légende en prend un coup. Mais bon... Dire que les autres artistes, ils tapent de la coke, ils tapent de l'héroïne. Ouh, une frite, j'ai fait une connerie. Alors, Julien, vous sortez un disque intitulé « Partout, la musique vient ». Et je crois qu'on peut le dire, bien ce disque est. Le premier single
s'appelle On ne se méfie jamais assez. Elle a pris ma tête et j'ai dit oui. Elle a pris mes bras pour toutes ces nuits. Elle a pris mon cœur et mon cœur s'était pris. Et mon cœur s'était pris. Julien Clerc, On ne se méfie jamais assez, extrait de Partout. La musique vient son nouvel album. Alors, ce qui est très drôle, en fait, c'est l'influence anglaise. Vous êtes allé faire ça en Angleterre. Oui. Ce qu'on dirait le film de Richard Lester qui s'appelle Help avec un les Beatles. Il y a des petites citations. Ouais. Comme ça. Ouais. Alors, il y a une chanson que j'aime beaucoup, ça s'appelle Le chemin des rivières. Ouais. Parole de Carla Bruni, qui évoque le temps qui passe, qui évoque la mort. Et ça vous touche, parce que la mort, ça vous angoisse. Ça nous touche tous. Non, mais vous, depuis l'âge de 20 ans, vous pensez à la mort. C'est vrai. Moi, j'y pense depuis un an et demi. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Vous n'avez pas voulu voir vos parents morts. Oui. Pourquoi ? J'ai même vu en train de passer, mais pas complètement parti. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette chanson, c'est que Carla voulait la garder pour elle. Et c'est Nicolas Sarkozy, c'est vrai, qui lui a dit, mais envoie-la à Julien, ça va beaucoup lui plaire. Alors, il y avait d'autres textes de Carla, vous n'avez pas mis en musique, il y avait, je vais vous dire une bonne chose, Madame Chazal, il y avait, c'est quand même incroyable que dans ce pays, ça n'a pas été non plus mis en musique. C'est des beaux textes aussi. Hein. Mais je ne les ai pas vus. Hein, voilà. Alors, Julien, voilà, on a beaucoup parlé de vos paroliers depuis toujours. Ouais. Le grand Étienne Rodagil, que vous avez rencontré un jour, c'est incroyable. Il va dans un bistrot qui s'appelle L'Écritoire, et un truc d'étudiant, comme ça, rive gauche, et il crie tout fort dans la salle, est-ce que quelqu'un ici écrit des chansons ? C'est vrai. Et le mec qui lui répond, c'est Étienne Rodagil. Ouais. C'est juste le plus grand parolier français. C'est une chance inouïe. Enfin, ce qui est incroyable, c'est que toutes les mélodies sont de vous. Oui. Vous êtes vraiment le dernier grand mélodiste de la chanson française, vous le savez quand même. Hein. Non, je pense que c'est... Si, si, Julien, si, si. Didier. Je t'aime, je l'aime.
fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Voilà. J'avais le choix entre vous interviewer et écouter ça. Ouais. Je pense que c'est une meilleure idée. Oui, oui, oui. Zambi, t'as quelque chose à... Julien, tu as l'air tout timide et discret. Être star quand on est timide, c'est un véritable enfer, non? Je pense être plus réservé que timide, en fait. Ouais. Discret. Un peu distant, voilà. Ouais. Quand on t'aborde dans la rue, ça te flatte ou ça te met mal à l'aise? Ça me flatte beaucoup. Ouais. Ah oui, je trouve ça toujours touchant. D'abord, j'ai eu de la chance. Les gens ont toujours été très, très gentils avec moi. Les gens m'offrent généralement toujours leur bon visage. Ouais. Voilà. Julien, je te le dis, t'es un génie. Non, je ne suis pas. Max Boublil, rebonsoir. Alors, je crois que même vous, vous ne savez pas si on dit Boublil ou Boulbil. C'est vrai que les gens, ils ont du mal avec ce nom. Ouais. Ils disent Boulébile, tout Boulébile, simplement. Voilà. Et en plus, votre vrai prénom, c'est Maximilien. Oui, c'est vrai que ça déconne. Ouais. Ça sent hein? En même temps grande famille catho et dentiste juif, tu te demandes. Vous êtes comédien, humoriste. Oui. Vous êtes une star sur Internet auprès des jeunes qui adorent vos chansons, où vous parlez de sexe, des chansons comme « Ce soir, tu vas prendre »,« J'aime les moches »,« Chatroulette ». C'est des millions de vues sur Internet. Ouais, au début, ouais, ouais, ça fait drôle quand tu poses des conneries et que tout d'un coup, les gens te reconnaissent et te les chantent dans la rue. Ouais. Et, c'est vrai que quand ils te disent « Ah, tu vas prendre, elle a pris » et que tu leur présentes ta maman, c'est toujours un petit peu gênant. Ouais. Alors la dernière, c'est Freddy. Oui, c'est un copain qui a un argument beaucoup plus gros que le mien. Voilà. Et qui me met un complexe, voilà. Donc, et ça, c'est ça dans les vestiaires, en fait, d'un match de foot, ouais, que vous vous apercevez que ce Freddy, c'est un peu trop gros, franchement. C'est un peu trop gros, Freddy. C'est un peu trop... Ça fait mal. Ouais. Freddy. Ouais, non, mais c'est dur de passer du Julien Clerc à ça. C'est bien. Attends, Jean-Mi, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vraiment tout compris. Qu'est-ce qui est trop gros? C'est sa bite, Jean-Mi. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. C'est un moment, il faut le dire. Il y a une chanson de vous que j'adore. C'est un chant de Noël. Oui. Et je crois qu'en cette période un peu difficile, les gens ont plus que jamais besoin de l'esprit de Noël. Les enfants ont besoin de croire. La préserver. Préservons la magie de Noël. On regarde. Il y aura plein de jouets, des robots et des poupées. Comment sont-ils fabriqués? Moi, je vais vous expliquer. Ce sont des petits chinois, payés 1 euro par mois, qui crèvent la dalle toute l'année. Tout ça pour vos jouets. Hey! Joyeux Noël, joyeux Noël, vous diront vos grands-parents. Joyeux Noël, à moins qu'il soit mort. Moi, cette année, j'ai 2 Noëls. Waouh, t'as trop de la chance. Un Noël chez maman, un Noël chez papa. Ta maman t'offre des gros cadeaux, ton papa t'en offre pas. Sais-tu pourquoi cette année maman est aussi sympa? C'est qu'elle a pris la moitié de tout ce qu'avait papa. Hey! Joyeux Noël, si ta sœur a plus de cadeaux. Joyeux Noël, c'est parce que toi t'es adopté. J'adore cette chanson. Qu'est-ce qui s'est passé, Max? Vous avez été violé quand vous étiez petit par un Père Noël devant les galeries Lafayette? Non?
tous les cas, c'est bien de dire aux gens, aux plus jeunes, que s'ils voient un vieux monsieur avec une barbe qui leur offre des cadeaux, il ne faut pas forcément le suivre. Oui, je pense que c'est un message important. Alors, dans votre dernier spectacle, vous soutenez les Restos du Cœur. Vous dites, c'est bien les Restos du Cœur, parce que ça aide des gens comme Lame ou Patrick Fiori. Alors, Max, ce spectacle intitulé Grand Garçon, vous jouez actuellement au Bataclan, puis en tournée dans toute la France. On regarde à quoi ça ressemble. Quand tu tombes sur un enfant dans ton wagon de TGV, tu sais que ça va être l'enfer. C'est comme partager ta cellule avec un violeur gay, quoi. Tu sais que ça va être long et dur. En plus, les gens qui ont des enfants dans le TGV et qui font du bruit, tu peux rien leur dire. Tu peux pas leur dire votre enfant il fait du bruit, machin, non, parce qu'ils ont tous la même excuse de gens qui ont des enfants. Ils disent, mais c'est normal. C'est un enfant. Ouais, c'est ça, moi demain je vais venir avec un tigre. Il va commencer à te bouffer, tu vas, oh putain, mais le tigre il me bouffe. C'est normal. C'est un tigre. Ah ben, je vous dis, ça s'appelle Grand Garçon, c'est au Bataclan, c'est vraiment marrant. Alors, en fait, vous faites Grand Garçon parce que vous pensez que vous êtes devenu adulte maintenant, ça y est. Bah oui, c'est le spectacle de la maturité. Ah, de la maturité. Bien sûr, ah ouais. Parce que j'ai une petite fille. Ah ouais, par contre, ça a changé le rapport dans le couple. Hein. C'est, vrai que, c'est vrai qu'avant, la phrase qu'on se disait le plus avec ma femme, c'était « je t'aime », aujourd'hui, c'est ton tour. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Mais on va faire quand même une interview, il y a un mais. D'accord. Alors Max, je ne suis pas de droite, mais... Comme tout le monde, hein, je vais y venir en vieillissant. Oui. Je ne suis pas de gauche, mais... Mais moi aussi, ça m'est arrivé d'aller étrangler des comédiennes en scooter. Je ne suis pas gay, mais... Mais je suis pas contre le mariage gay. Ah. Moi, je suis plutôt pour. Je vois pas pourquoi il y aurait que les hétéros qui se feraient chier en couple. Je ne suis pas antisémite, mais... Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de juifs dans ma famille. Vraiment, c'est insupportable. Je ne suis pas radin, mais... Mais je suis pas radin, mais je trouve quand même qu'Alexandra Sublet, elle paye mieux ses invités, Thierry. Je ne suis pas défoncé, mais... Mais ça, c'est parce que Thierry n'est pas partageur. On passe maintenant à notre TTU de la semaine. Armand Altaï, mesdames, messieurs, la seule star qui soit sortie de la Starac, c'est elle. Ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas vu. Hein. Je pense que vous chantiez dans les couloirs du château de la Starac en faisant « Ouh, ouh ». Vous vous souvenez de ça? Ah oui. La Starac. Ça fait quelque chose de reprendre ça. Alors Armand, vous êtes née le 20 mai 1944 à Alep, en Syrie, sous le nom... Accrochez-vous. 2. Armand Kumpal Kabartay Altay Magini. Kumpal Kabartay Altay, c'est le nom de ma grand-mère. Et j'ai repris Altay pour me venger un peu, toujours prendre le nom des hommes. Voilà. Alors, votre père était officier de l'armée française. Oui. Votre mère était turque musulmane. Oui. Et votre père était quand même très dur. Hein. C'est-à-dire qu'à la maison, il vous traitait un peu comme il traitait ses soldats. Quoi. Très strict. Ouais. Alors, votre mère, elle, en fait, elle est beaucoup plus sympa. Elle vous fait écouter Rum Halsoum sur la radio Le Caire. Oui, elle écoutait énormément de musique, la musique turque, la musique... Alors, Rum Halsoum, elle s'endormait tous les soirs, elle est morte d'ailleurs, en s'endormant sur Rum Halsoum. Alors ensuite, votre père est nommé en Côte d'Ivoire. Là, vous vivez un peu comme une sauvageonne hein, au milieu des baoulés. Oui, des bonne baoulés. Époque. Sauf que votre père, quand même, il se comporte très mal avec votre sœur Nida. Il y a un type qui est obligé de coucher en travers de la porte de la chambre. Oui. Pour pas que le père vienne violer la sœur. Un de nos ordonnances qui s'appelait Coco. Coco, il vous protégeait, Coco. Oui. Alors en 1949, vous avez 5 ans, la famille s'installe à Marseille et votre père part en Indochine, puisque c'est un militaire,
il part faire la guerre d'Indochine. Il reviendra 5 ans plus tard avec 2 Vietnamiennes et beaucoup d'enfants. Bah, il y a 2 filles et 1 garçon. Voilà. Hein. Il repartira tout de suite, hein, il ne reste pas oui, là. Oui, il part en Algérie. Et il ne vous donnera plus jamais de nouvelles, sauf pour réclamer du pognon. En gros, hein. Oui. Enfin, il nous a obligés à vendre la maison, à vendre tout ce qu'on avait. Ouais. Bah, oui. C'est vrai qu'à la maison, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous vivez sans électricité, avec oui. des lampes à pétrole. Vous vous chauffez avec des brasero. Oui. Votre mère est obligée de faire des petits travaux de confection. Couture, oui, avec ma sœur aînée. Ouais. Mais ma mère, quand même, nous permet de nous acheter des livres et nous emmener au cinéma. Oui. Et on avait des disques, alors que nos camarades, qui étaient très bien oui. habillés, tout ça, n'avaient pas tout ça. Alors on leur racontait. À 19 ans, vous vous mariez contre l'avis de votre mère. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait ce mari ? Oh, je ne sais pas. C'était tellement dur à la maison. J'ai, ouais. j'ai voulu ouais, être c'est pour grande. Échapper, oui. Voilà, j'ai voulu être grande, mais ouais. bon. Et j'ai tout de suite été enceinte de ma fille. À Paris, vous êtes dactylo. Au début, oui. Et ensuite, vous êtes mannequin, quand même. Hein. Oui. Elle doit être magnifique. Oh. Regardez Armande. Magnifique, Armande. Là, vous fréquentez oh. le tout Paris. Hein. Alors, enceinte, vous retournez à Marseille. Là, vous vous rendez compte que vous n'aimez plus votre mari. Ah, c'est dur. Non. Et vous devenez disquaire. Oui. Dans des boîtes de nuit. Alors, c'est comme ça que vous découvrez les Rolling Stones, le rock'n'roll, le rhythm ouais. and blues avec Aretha Franklin. Oui, oui. Bonne époque. Tout ce Sam and Dave, tous ces ah, disques. Sam and Dave, Soul Man. Voilà. Là, vous entrez au conservatoire, vous apprenez vraiment à chanter et vous commencez à vous produire dans des petits cabarets, à faire des petites télés. Vous devenez un peu star à l'époque déjà. Oui. Hein? Avec Bernard Lavillier, qui était ouais. dans le coin aussi. C'était mignon, Bernard. Il avait des... Il avait oui, il recevait un angelot à l'époque. Oui, mignon comme tout. Et là, en fait, à ce moment-là, vous êtes sélectionné pour une émission qui s'appelait Le Jeu de la Chance. Le Jeu de la Chance, c'est une émission présentée par Raymond Marcillac, où Thierry Luron et Mireille Mathieu avaient été découverts. C'est vrai, c'est vrai. Et vous n'y allez pas, pourquoi ? Non. J'étais déjà et trop lyrique et trop ouais. marginale. Et là, un jour, vous êtes engagé dans la comédie musicale gospel. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Julien Clerc avait fait R, oui. évidemment, Laisse entrer le soleil, R. Et vous, derrière, les mecs font gospel. Et dans gospel, avec vous, il y avait Daniel Auteuil et Dave. Oui. Tous les trois. On a fait nos auditions le même jour. Voilà. Hein. Et votre carrière est lancée. Alors là, ça se passe bien. Vous faites des albums, des spectacles, des concerts, de l'opéra. Et on regarde une chanson de l'époque, Armande Altaï, comme vous ne l'avez jamais vue. Waouh. Ensuite, vous commencez à faire du coaching de chanteurs. À qui vous avez appris à chanter ? Liane Folly, c'est vous ? Oui, qui il, y a, il y en a beaucoup. Il y a des gens aussi comme Étienne Dao qui sont venus. Ah, c'est pas mal, ouais. Il y avait du boulot avec Dao, sûrement. Il y a eu des comédiens. Il y avait plein de gens. Patricia Cass, c'est passé Patricia un moment Cass, bah, c'est pas mal. Alors là, effectivement, en 2001, vous vous retrouvez à la Starac. Vous devenez instantanément célèbre. Et vous êtes aspiré dans un incroyable tourbillon médiatique. Et en 2008, vous êtes nommée directrice de la Starac. Oui. C'est pas rien. Armand, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous fait ? Les 5 ans m'ont donné du recul. Et je trouve que si on avait continué à s'intéresser, comme les 3 premières, surtout les 2 premières années, à la musique, autant, ça aurait pu être une institution. Parce que c'est la seule émission où on voit les cours. Le problème, c'est qu'à un moment, la télé-réalité a pris le dessus. Un peu et que l'émission ouais. s'intéressait plus aux disputes dans les salles de bain voilà. qu'à la chanson. C'est ça le exactement, problème, non ouais. Ouais. Ah, c'est toujours pareil. Vous êtes toujours en contact avec les candidats de la Starac ou vous avez réussi à changer de numéro de téléphone ? Julien, vous auriez fait un concours comme la Starac, vous ? Non. Non. En plus, quand j'avais auditionné la toute première fois, j'avais été refusé, ce qui m'avait énormément vexé d'ailleurs. Et le gars m'avait rappelé quand même, 15 jours après, en me disant « Mais est-ce que vous accepteriez de chanter mais des choses qui ne seraient pas de vous ?» Et je lui ai dit « Jamais. » Alors, ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'aujourd'hui, on aurait plus besoin d'un plombier académie ou d'une infirmière académie
que d'une Star Academy, parce que des chanteurs, il y en a quand même de plus en plus. Hein. Et qui chantent très, très bien. Ouais. Après, il ne faut pas prendre la place de quelqu'un, il faut se faire sa place. Voilà. Je pense que Nolwenn s'est fait sa place. C'est votre préférée, hein, Nolwenn. Vous l'avez toujours soutenue, Nolwenn. Elle a quelque chose dans la voix, une douceur aussi, vibrato, je ne sais pas, une vibration qui est magnifique. Vous êtes contente de son succès, là, ça marche pour elle. Hein. Ah oui, je suis heureuse. Bien sûr. Je suis heureuse chaque fois que mes élèves s'envolent un peu. Alors, Armande, aujourd'hui, vous continuez à enseigner au Centre du Marais. Oui. Il y a les classes d'Armande Altaï. Vous préparez un titre en anglais. J'ai envie de faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est un univers. Ouais. C'est ce qui me console de la réalité. Dans cette chanson, je dis « Ne mangez pas ma tarte aux myrtilles. Ne tuez pas mes biches et mes abeilles. Ne buvez pas ma piscine de larmes. » Voilà. C'est beau. Armande Altaï, mesdames, messieurs. Notre TTU de la semaine. Et nous passons maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question, la France est-elle plus corrompue que jamais? Cahuzac avait planqué son fric en Suisse, Dassault aurait acheté des voix pour se faire élire, Thévenoud ne payait pas ses impôts, Guérini est mis en examen pour association de malfaiteurs et, même s'il prétend n'avoir jamais entendu parler de Big Malion, Sarkozy se traîne une dizaine de casseroles judiciaires, dont une mise en examen pour corruption. Avec tout ça, pas étonnant que la France soit désormais en 26e position au classement de l'ONG Transparency International, soit 4 places perdues en un an. Les Français sont d'ailleurs les premiers convaincus que la corruption ne cesse de gagner du terrain. En 1977, 37% d'entre nous estimaient que nos dirigeants politiques étaient corrompus. En 2002, nous étions 58% et cette année, nous sommes 72%. On a donc l'impression que la corruption progresse. Pourtant, c'est peut-être exactement le contraire qui est en train d'arriver. La corruption ne cesse de reculer. En effet, si les affaires se multiplient, c'est que les moyens de détecter la corruption sont de plus en plus efficaces. Après le choc provoqué par l'affaire Cahuzac, Hollande a fait voter une loi de moralisation de la vie publique. Et la transparence permet le respect. La loi n'est pas parfaite, car le procureur financier, nommé pour enquêter spécialement sur les délits de corruption, reste encore sous l'autorité du ministre de la Justice et du Budget. N'empêche, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, créée en 2013, a déjà fait ses preuves. C'est elle qui a poussé Thomas Thévenoud et Yamina Benguigui à quitter le gouvernement. C'est elle aussi qui a révélé le cas de 3 députés UMP qui avaient des comptes à l'étranger. Le problème, c'est que d'un côté, les Français s'indignent de la corruption politique, mais de l'autre, la moitié des candidats impliqués dans des affaires de corruption ont été réélus lors des municipales, à l'image de Balkany, réélu au premier tour à Levallois. Oh, mais moi, j'ai rien à me reprocher. Sans la mobilisation de tous les citoyens, difficile de lutter contre la corruption. En Italie, Berlusconi s'est fait réélire pour échapper à la justice. En France, Sarkozy espère lui être réélu pour opposer le soutien du peuple au travail des juges. Je me suis retrouvé en garde à vue, présenté à 3h15 du matin, en pleine nuit. Faut dire qu'il y a de quoi s'inquiéter. Chirac a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, comme quoi même un président de la République n'est pas sûr d'échapper à la prison. Je ne suis pas au-dessus des lois. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Fabrice Arfi, bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart et vous publiez Le sens des affaires, voyage au bout de la corruption chez Kahneman Levy. Bienvenue parmi nous. Alors, la semaine dernière, l'organisation Transparency International publiait le classement annuel de la corruption. La France rétrograde de la 22e place à la 26e, derrière l'Uruguay, les Bahamas, à égalité avec l'Estonie. Alors, Fabrice, la France est-elle plus corrompue que jamais? C'est une question à laquelle il est, je crois, impossible de répondre. Et si vous voulez, la corruption, quitte à surprendre un peu, depuis Cicéron, on sait qu'elle existe, on ne va pas changer l'âme humaine, il y aura toujours un corrompu, un corrupteur. Et le problème n'est pas qu'elle existe en soi. Le problème, c'est notre incapacité chronique, institutionnelle, politique, culturelle, judiciaire, à y répondre vraiment. Finalement, le fait qu'il y ait de plus en plus d'affaires, c'est peut-être la preuve que la détection
fonctionne. Oui, bien sûr. Ouais. C'est la preuve qu'une certaine détection fonctionne, mais ça ne suffit pas. Ouais. La détection, c'est une chose. Le temps des enquêtes, c'en est une autre. Je prends un tout petit exemple. Prenons l'affaire Karachi, énorme affaire de détournement d'argent sur les ventes d'armes. On parle de centaines de millions de francs de l'époque qui ont permis des enrichissements personnels, des financements politiques illégaux. Ça s'est passé en 1995. On va juger en 2015, 20 ans après, 20 ans. Le volet non ministériel. Ouais. Les seconds couteaux, la doublure de Léotard, ministre de la Défense, la doublure de Balladur, ancien Premier ministre, et la doublure de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget à l'époque. L'enquête sur les ministres, eux, n'a fait que commencer cet été. Puis en plus, ils seront jugés par leurs pairs, c'est pas... C'est ça. C'est-à-dire que les ministres, c'est extravagant. Nous sommes en France, en 2014, dans cette République, avec un tribunal d'exception pour les hommes politiques, qui s'appelle la Cour de justice de la République. Et quand il y a un procès, c'est rare, mais quand il y a un procès, les hommes politiques sont jugés, les ministres en l'occurrence, sont jugés par 3 magistrats et 9 députés. C'est-à-dire, entre eux, ils échappent au droit commun, comme vous et moi. Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac, Thomas Thévenoud, Aquilino Morel, Faouzi Lamdaoui, Yamina Benguigui, Kader Arif et cette semaine, Guillaume Pelletier. Est-ce que c'est juste une suite de faits divers financiers ? Toutes les affaires que vous dites et encore bien d'autres, je pense qu'il faut les prendre comme les trames d'une chaîne qui nous dit quelque chose de nous-mêmes, c'est de notre époque. Alors, il y a un exemple extraordinaire, c'est que Woerth protège Cahuzac au départ. Ensuite, Cahuzac protège Woerth. Donc on se dit, quand on voit ça, finalement, si c'est transparti, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit. Ben, en fait, quand Mediapart a révélé ce qui deviendra après l'affaire Bettencourt à l'été 2010, ça concernait un ministre du budget, Éric Woerth, sur des questions fiscales, entre autres avec Madame Bettencourt et tout ce qu'on sait. Il y aura un procès en 2015. Ouais. Monsieur Woerth sera jugé pour deux délits importants, trafic d'influence et recel d'espèces. Et à cette époque, il y a un homme qui est à l'Assemblée nationale, très puissant, on le sait peu, parce qu'il est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Jérôme Cahuzac, socialiste. Et moi, à cette époque, quand on révèle ces faits, je me dis, voilà un homme qui va peut-être pouvoir nous aider à avancer dans nos enquêtes, vu le scope qu'il peut avoir sur les affaires à la fois fiscales, et puis c'est le camp d'en face. Et je trouve Jérôme Cahuzac, en 2010, très en arrière de la main, pourquoi pas, sur cette affaire. Il va même à la radio pour dire, à rebours totalement de son parti, il n'y a pas d'affaire Bettencourt, il n'y a pas d'affaire Woerth, Woerth est un honnête homme. 2 ans plus tard, il devient ministre du budget. Et quand il devient ministre du budget, dans une affaire dans laquelle, à l'époque, M. Woerth avait des ennuis, il commande à un copain un rapport pour blanchir Éric Woerth sur ce dossier. Et c'est cette situation qui me fait naître l'idée qu'il y a peut-être un secret entre les deux hommes. Et c'est comme ça qu'à l'été 2012, je décide d'enquêter sur Jérôme Cahuzac. Et après 4 mois fastidieux d'enquête, je trouve le compte suisse de M. Cahuzac. Et voilà. Heureusement qu'il y a Mediapart, c'est tout ce qu'on peut dire. Par exemple, Jospin connaissait les tenants et les aboutissants de l'affaire Karachi. C'est-à-dire que quand on sort l'affaire Karachi en 2008 et puis qu'elle se documente de plus en plus en 2009, 2010, etc., on a tout le PS debout comme un seul homme en disant « mais c'est pas possible », de manière un peu... si c'est vrai, c'est terrible. Et en fait, en enquêtant, on se rend compte que sous le gouvernement Jospin, le gouvernement savait à peu près tout des détournements du gouvernement Balladur sur les ventes d'armes, mais n'a rien dit. Pourquoi ? Alors j'en ai parlé avec le ministre de la Défense de l'époque. J'ai dit, pourquoi vous le faites pas ? Il me dit, mais si on avait fait ça, on aurait donné l'impression d'utiliser une affaire à gauche contre la droite et on aurait fait monter le Front National. Sauf que c'est un argument qui est historiquement faux. Le 21 avril 2002, le Front National est au second tour. Et c'est la démonstration que précisément le tous pourri sur lequel précisément le Front National essaye de faire son beurre électoral ne naît pas des affaires. Il naît de l'incapacité de notre République à y répondre vraiment. Bonne réponse. Alors, à chaque scandale politico-financier, ils font une loi. Il y en a eu 14 depuis 1988 et jamais rien ne change en fait. Ces lois servent à rien. On est face, pour prendre une image, à une sorte de porte blindée, et on est passé pour la fracturer du plumeau au tournevis et du tournevis au burin. Donc on est encore très loin. On se félicite qu'il y ait une auto-autorité pour la transparence, pour savoir ce que les députés, les sénateurs font avec notre argent public. On est en 2014 et on doit s'en féliciter. Ça montre le Moyen-Âge dans lequel nous étions. Alors, il y a un truc qui est dingue, c'est que des mecs comme Balkany ou Guérini,
ils sont sans cesse réélus. Est-ce que ça veut dire que les Français s'en foutent, en fait ? Non, je crois pas. Ouais. Je crois pas que les Français s'en foutent. Je crois que précisément, et ça, ça doit nous interroger, nous, journalistes, nous, système médiatique, nous ne savons pas faire la pédagogie citoyenne des ravages de la corruption. Ouais. La corruption, quand vous truquez un marché public dans une mairie, les impôts locaux explosent. Alors, ce qui est dingue, quand même, c'est qu'en Angleterre, par exemple, il y a un député qui se fait choper pour des notes de frais trafiquées. Le mec, il fait 18 mois ferme. Ouais. En Allemagne, le patron du Bayern de Munich, pareil, 3 ans ferme pour fraude fiscale. Et il s'excuse. Oui, mais il n'y a qu'en France où les mecs n'ont rien, finalement. Bah, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas un militant du carcéral. Ouais. Mais si on estime que braquer, voler, ça mérite la prison, bah oui. C'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique que la corruption ne porte pas en ouais. elle une forme d'idée d'assassinat contre la société organisée. Ouais. Alors oui, je pense que dans d'autres pays où on est un peu plus adulte de ce ouais. point de vue-là, on estime que voler le fisc, corrompre, être corrompu, c'est un crime qui mérite la prison. Une partie de ma famille est en Norvège et dans ces pays-là, je crois qu'il y a un ministre qui a été démis de ses fonctions parce qu'elle avait acheté une tablette de chocolat avec l'argent. Oh là là. La vice-première ministre de Suède, en effet, à l'aéroport, avec la carte bleue du ministère, avait acheté, je crois, des couches pour sa fille et une tablette de chocolat et elle a démissionné de son propre chef. Bon, alors voilà, c'est un autre niveau, mais par exemple, dans les pays scandinaves, vous savez, tous les citoyens ont accès aux notes de frais des ministres. Alors la fraude fiscale, c'est quand même 80 milliards d'euros par an, hein, c'est 80 milliards France, d'euros. Ouais. Donc c'est ça qui ne va pas dans les hôpitaux, c'est ça qui ne va pas dans les autoroutes, c'est ça qui ne va pas dans les écoles. Alors, on finit par se demander, est-ce que la France aujourd'hui, est-ce que c'est une démocratie ou est-ce que c'est une oligarchie ? Alors, la réponse nous est offerte par un homme de grande valeur, un grand monsieur qui s'appelle Roberto Scarpinato, qui est le dernier survivant, en quelque sorte, du pool antimafia de Palerme. Et lui, il nous dit, c'est le pire monstre contre lequel je dois lutter, c'est une oligarchie déguisée en démocratie. Voilà. C'est le procureur général de Palerme qui le dit. Donc oui, on ne doit pas, pardon, en France, se rire de la Grèce, de l'Italie, du berlusconisme. Il faut regarder notre France telle qu'elle est pour résoudre le problème et pas le cacher comme ça ouais. sous le tapis, comme si c'était des petites affaires qui ne nous concernaient pas. Max ? J'ai l'impression que la corruption, c'est un truc très, très fin, en fait, parce qu'on voit souvent des élus qui invitent tout d'un coup le mec qui fait les travaux publics chez eux, et quand il fait un rond-point, il lui creuse sa piscine. J'ai l'impression que dans le sud, plus t'as de rond-point, plus t'as de piscine d'élus. Quoi, c'est... Non, mais c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en France, quelqu'un qui dénonce, c'est une balance. Aux États-Unis ou en Angleterre, quelqu'un qui dénonce, c'est un héros. C'est vrai qu'en France, le lanceur d'alerte, c'est la balance, c'est celui qu'il faut abattre. Moi, mon quotidien est fait de fréquentation avec des lanceurs d'alerte qui n'en peuvent plus, qui ne sont pas protégés professionnellement. Certains ont des problèmes de santé, certains ont peur pour leur vie. Oui. C'est à eux qu'il faudrait remettre des légions d'honneur. Bien, en tous les cas, la seule chose qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'on est ravis, nous, citoyens, qu'il y ait Mediapart. Oh, bah merci. C'est vrai, merci, c'est vrai, bravo. Fabrice, merci d'avoir été avec nous. Merci. Max, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Éric D'Argent, bonsoir. Alors, Éric D'Argent, en février 2011, alors que vous surfez sur une plage de La Réunion, vous êtes attaqué par un requin qui vous arrache la jambe gauche. A priori, le surf, c'est fini pour vous, mais c'est sans compter... sans votre incroyable ténacité. En effet, aujourd'hui, vous êtes à nouveau debout sur votre planche et vous surfez. On regarde. On vous appelle le surfeur d'argent. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Ça. Ouais. Ouais. Bah alors cette semaine, il y a, comme qui dirait, une polémique sur les crèches. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ça serait un symbole religieux. Alors moi, je ne savais pas du tout que... Si. Non, mais si, moi j'étais sûr que ça faisait partie d'une campagne de sensibilisation sur les conditions précaires d'hygiène lors des accouchements en milieu rural. Ouais, c'était... Il paraît que pas du tout. Que pas... Non.
Non, non, qu'il paraît que c'est un symbole religieux, parce que, alors tiens-toi bien, que la crèche, ça symboliserait la naissance du Christ. Oui. Hey, je jure, mais le Christ. Jesus. On m'a dit ça, je dis arrête de déconner, attends le mec, c'est le fils de Dieu. Tu vas pas me dire que Dieu, il connaît personne à l'hôpital américain de Neuilly. Hein? Donc, moi, on me la fait pas, quoi, ça va, je réfléchis, je suis lucide. D'ailleurs, faut arrêter avec ces faux débats, alors qu'il y a de vrais débats. Il y a, comme la loi Macron, qui a vocation à devenir un sujet de thèse à HEC, hein, pour relancer l'économie française, faut-il ouvrir les magasins 7 ou 12 dimanches par an? Vous tenterez de répondre à cette question en vous appuyant sur les grands penseurs qui ont travaillé sur la question, notamment Michel-Édouard Leclerc, Félix Potin et Madame La Foirefouille. Parce que c'est un gros marqueur à gauche, c'est très, très important. Parce qu'en gros, à 7 dimanches par an, t'es un frondeur, 8, t'es la gauche molle, 9, t'es un social traître, 10, t'es un libéral, 11, t'es un thatchérien furieux, et 12, t'es Manuel Valls. Tu vois ? C'est un peu... Alors bon, cela dit, au début, Macron, il voulait 75 dimanches travaillés par an. Ouais. À quoi Bercy, ils ont sorti la calculette, ils ont dit « Mais monsieur le ministre, il n'y a que 52 dimanches par an. » Et lui, il a dit « Ouais, ouais, c'est pas avec une mentalité pareille qu'on risque de rattraper les States. Hein » Non, mais c'est clair, les 12 dimanches par an, c'est la potion magique, c'est l'antidote contre la récession. Tu sais, c'est le malade aux soins palliatifs, les médecins qui se disent « Qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne 5 ou 12 gouttes d'huile essentielle de lavande ?»« Ah non, pas 12, ça va le tuer. Hein » D'ailleurs, j'en ai parlé avec Thierry Lepan. Tu vois, Thierry ? Ouais, parce qu'on est devenus potes. Ah. Ouais, ouais. Il m'a proposé de faire ensemble les courses de Noël. Il m'a dit, ben viens, on se retrouve demain dans mon quartier préféré, tu verras, c'est super sympa, on est bien accueillis. Alors j'ai dit, bon, bah cool, moi, Montreuil, je connais pas. Il m'a dit, mais non, non, mon quartier, le magasin quartier de l'avenue Deschamps. Alors, bon, le lendemain matin, je l'attends devant le magasin, tu vois, donc le mec, il arrive dans sa Kangoo plaqué or avec piscine sur le toit. Alors, à peine on rentre dans la boutique, les mecs, ils commencent à s'agiter. « Oh merde, c'est Lepan, tu vois, les vendeurs directs, ils ont vu... » Il y avait Puff Daddy et Beyoncé qui étaient en train d'acheter des bagues. Ils se disent « Monsieur, dame, faut sortir parce que là, on a un client qui arrive. » Alors... Et là, il déroule le tapis rouge. Le mec là-bas, c'est un loup blanc. Hein. C'est le loup blanc. « Alors, monsieur Lepan, comment ça va depuis hier? Vous êtes bien? Est-ce que vous êtes content de votre frigo ?» Alors, je dis « Mais Thierry, chez Cartier, ils font pas de frigo. » Tu dis, ouais, si, si, c'est une commande spéciale, les poignées, les étagères en or massif. C'est un modèle unique. Bocassa voulait le même, mais il n'y avait pas le pognon. Enfin. Alors, et là, bon, je reste un peu interdit. Alors, lui, il enchaîne. Ah, bon, mais sinon, vous avez reçu mes essuie-glaces en or rose. Je dis, mais Thierry, tu déconnes, tu demandes des essuie-glaces. Mais ouais, bah ouais, c'est parce que tout le reste, je l'ai déjà, tu vois. C'est Thierry, ça. C'est mecs qui s'appellent Thierry, c'est des gens particuliers. Tu sais. Sinon, des choses un peu plus sociétales, parce qu'on peut pas parler que d'argent, c'est un peu sale, on est à l'approche des fêtes, et les gens en ont trop, pourquoi s'acharner là-dessus? Éducation nationale, Najat a décidé de supprimer la notation des élèves. Oui. Ah ouais, ouais, maintenant on va mettre des codes couleurs, vert si c'est bien, rouge si c'est nul, et si c'est moyen, on va faire un orange qui clignote avec mention « Attention au passage à niveau ». Tu vois? Alors... c'est bien, parce que les élèves seront toujours aussi nuls, mais au moins, ils auront une base pour passer le code de la route. Hein? C'est pas mal. Carnet rose. Je peux pas m'empêcher, mais il y a aussi des jolies choses qui arrivent. Alors, moi, le couple et le mariage, je suis pas sûr d'avoir les aptitudes pour ça. Mais il y a des couples qui s'en sortent. Et là, j'ai envie de vous montrer une photo que j'intitulerai « Bonheur conjugal ». Enfin, tout s'éclaire, le mariage pour tous, Trierweiler, Gaillet, c'était des couvertures. Tu vois ? À force de voyager, il a trouvé son mec à l'étranger, voilà, c'est... Tu vois ? Bonne nouvelle. Ah. Eh oui, les médecins en grève du 24 au 31 décembre. Reste plus qu'à espérer que les huîtres de Noël seront toxiques et après la purge des vieux lors de la canicule, on aura la purge des bourgeois ou du réveillon. Alors, est pas belle la vie ? Et voilà, c'est quelqu'un de parfait. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Éric Dargent, bonsoir. Bonsoir. En février 2011, donc, un requin vous a arraché la jambe gauche sur une plage de La Réunion alors que vous surfiez. Aujourd'hui, malgré la prothèse,
vous surfez à nouveau en regard. Éric, vous êtes né à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, le 26 septembre 1977. Vos parents travaillent à l'hôpital et tous les week-ends, bah, vous êtes à la mer, évidemment. Et un été, en regardant 40 degrés à l'ombre, l'émission de Vincent Perrault, vous découvrez le surf. Vous dites, je me suis tout de suite vu debout sur cette planche. Oui, c'est dès le départ, quand j'ai vu ces personnes surfer le long d'une vague, c'est vrai que cette sensation-là, j'avais envie de la découvrir. Alors, le 26 septembre 1986, pour vos 9 ans, vous coulez vos premières brasses à plat ventre sur votre pain de mousse. À 11 ans, vous passez au bodyboard. Et à 14 ans, un vrai surf. Après un bac et une tentative infructueuse à la fac, Éric, vous décidez de suivre la même voie que vos parents. Vous vous inscrivez à une école d'infirmiers. 3 ans plus tard, vous ressortez avec un diplôme, une femme, son fils, qui sera bientôt suivi de 2 enfants de vous. Voilà. Vous vous installez à Martigues, et à partir de là, chaque année, vous partez en famille tester un spot de surf. Alors, voyage extraordinaire, hein. Les Canaries, le Maroc, le Portugal, l'Espagne, la Guadeloupe, la République dominicaine. C'est génial. Le surf est une véritable passion. C'est quelque chose avec lequel je vis depuis tout petit. Ouais. Et il y a une véritable addiction. Et c'est vrai que pour comprendre où j'en suis maintenant, il faut comprendre à la base qu'il y a cette passion. Mais vous êtes accroché très jeune. Ouais. En 2011, vous avez 33 ans et vous avez envie d'autre chose. Mais envie d'ailleurs avec votre femme. Et vous décidez d'aller passer 4 semaines à La Réunion avec l'idée, peut-être, si ça vous plaît, de pouvoir vous y installer. C'est une très, très belle île avec un volcan, la montagne qui est superbe. Et surtout, ces vagues qui sont réputées dans le monde entier. Alors, vous passez une semaine paradisiaque. Vous dites, plus on découvrait cette île, plus on avait envie d'y rester. Le 19 février 2011, vous surfez sur la plage des Roches Noires à Saint-Gilles, sur la côte ouest de La Réunion. Et à 17h30, le soleil est encore haut. Vous vous dites, je vais faire encore une vague ou deux avant de rentrer. Et comme tous les surfeurs autour de vous, vous attendez la vague, assis sur votre planche, immobile. Et soudain, un requin vous arrache la jambe. Alors c'est vrai que ce moment-là, ma vie a basculé. C'est vrai que c'est un moment qui a été très intense parce que je me suis senti partir. Ouais. Il y a eu vraiment ce moment où je ne savais plus si j'allais m'enfoncer sous l'eau. Le requin s'en va en vous laissant vous vider de votre sang. Alors vous avez le choix, évidemment. Soit vous laissez aller dans l'eau, couler, sans douleur, ce qui serait un soulagement, en fait, à ce moment-là. Et là, vous pensez à votre femme, vous pensez à vos enfants, et vous décidez de survivre. Mais vous êtes à 30 mètres du bord. Et ce qui est extraordinaire, déjà, dans votre histoire, c'est qu'au moment où vous rejoignez la plage pour rejoindre votre famille, c'est là que vous réalisez qu'il vous manque une jambe. C'est quelque chose qui est tellement rapide et tellement intense, et je pense qu'il y a tellement d'adrénaline qu'on ne se rend pas compte de la gravité au départ de la situation. Et c'est après, en arrivant, quand j'ai pris une vague et que j'ai commencé à arriver au bord, qu'à ce moment-là, je me suis retourné, que je me suis rendu compte de la gravité qui me manquait cette jambe. Alors vous arrivez au bord, et là, effectivement, vous avez la chance que d'autres surfeurs vous fassent un garrot sur la cuisse, avec un t-shirt en lycra. Et là, vous sentez monter en vous une rage immense parce que vous vous dites, je suis foutu, quoi. C'est-à-dire, je pourrais plus jamais marcher, je pourrais surtout plus jamais surfer. Sur ce moment-là, effectivement, les questions sont venues très rapidement. Ouais. Comment je vais faire pour retravailler? Est-ce que je... Enfin, les premières paroles que j'ai dites à ma femme, c'est, je veux continuer à vivre, je veux continuer à profiter d'être avec toi. Ouais. Et tout ça, ça a explosé en moi. C'était très, très fort. Donc, à l'hôpital, on vous ampute au niveau du fémur. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, on vous aura amputé sous le genou, c'est quand même plus facile. C'est vrai que je l'ai appris petit à petit, hein, parce que quand je me suis réveillé, la première chose, suite au bloc, c'était ce plaisir immense d'être encore en vie, tout simplement. À premier jour, vous dites, c'est comme si le fait d'être en vie me donnait des ailes. Et vous mourrez d'envie le premier jour de retourner surfer, quoi. C'est vrai que je me suis dit, je vais pouvoir tout refaire comme avant. Ouais. Et très rapidement, la fatigue m'a rattrapé. Après 3 semaines d'hospitalisation à La Réunion,
vous rentrez en métropole, et là, vous vous mettez à chercher un centre de rééducation, et tous les médecins vous disent à peu près la même chose. Vous pourrez remarcher, mais pas resurfer. Alors, c'est vrai que ces paroles ont été certainement pour me diriger vers autre chose. À chaque fois, Eric, vous ressortez en pleurant. Mais voilà, au niveau des difficultés, il faut bien comprendre qu'il y a des difficultés physiques, mais aussi des difficultés psychologiques. Et pour faire face à ça, c'est vrai que la passion peut aider. Ouais. Et là, je me trouvais avec des barrières et je ne pouvais plus refaire ma passion. Jusqu'au jour où j'ai pu rencontrer mon prothésiste. Voilà, dans le Var, vous trouvez un centre qui accepte de construire un programme de rééducation autour de votre passion, le surf. Comment s'appelle le prothésiste? Alors, c'est Monsieur Bertrand Touré-Couder qui a eu cette phrase toute simple, en fait. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ça, mais je vais tout faire pour t'aider. Ouais. Et le simple fait de dire, bah, je vais faire pour t'aider, c'était énorme. Ça vous a refilé la patate. Ça m'a mis la patate, et tout de suite, je me suis dit, je fonce là-dedans. Alors, moins de 6 mois après l'attaque du requin, vous êtes à nouveau dans l'eau. Très compliqué, évidemment. Certains jours, vous sortez de l'eau en pleurant, en hurlant. Enfin, c'est extrêmement compliqué, surtout pour vous, qui était quand même un très, très bon surfeur. Ensuite, il y a un congrès à Las Vegas, où votre prothésiste découvre une prothèse de VTT et il l'adapte au surf. Donc, vous bénéficiez effectivement de toute la technologie et puis surtout du soutien de Philippe. Quoi. Oui. Alors, j'ai eu énormément de chance aussi de trouver toute cette aide autour de moi. C'est quelque chose qui me permet aujourd'hui de surfer, mais il faut savoir que tous ces équipements ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Bien sûr. Alors, évidemment, il y a des difficultés psychologiques qui sont faciles à imaginer. Il y a des difficultés sociales aussi, parce que papa n'est plus invincible quoi, à la maison. Hein. Bien sûr, c'est vrai qu'avec un handicap comme ça, on se retrouve dans une situation où on perd sa place, on perd son emploi, on perd sa place dans la famille. Ouais. Et toutes ces difficultés arrivent en même temps et il faut les gérer. Là où vous avez été très fort, c'est qu'il y a effectivement des difficultés psychologiques, sociales, il y a des difficultés physiques, ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Et là où vous êtes fort, c'est que vous arrivez à retourner le problème, c'est-à-dire que vous servez des douleurs fantômes pour positionner votre jambe sur la planche de surf. Et moi, quand je surfe, j'oublie qu'il me manque une jambe. Je deviens comme un autre surfeur et je transcende ce handicap. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes redevenu un excellent surfeur. Vous prenez des vagues de 2 à 3 mètres, comme avant. Et vous dites, je prends encore plus de plaisir qu'avant. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce plaisir est multiplié par 10. Et puis, il y a une certaine fierté, il y a une certaine... Voilà, on réalise quelque chose, on voit qu'on est capable de... Vous dites d'ailleurs, quand je suis tout seul, j'ai un peu honte. Dès que j'ai ma planche de surf avec moi, je suis un héros, quoi. On regarde. Bravo. Alors, votre association, en fait, c'est génial, ça s'appelle Surfeur d'Argent, comme Silver Surfer, le héros de Marvel Comics. Alors, c'est pour aider, en fait, des handicapés à faire des sports de glisse. Hein. Une prothèse, ça vaut du pognon, ça vaut 10-12 000 euros quand même. Ça coûte très cher et c'est vrai que du coup, le but de cette association, c'est de continuer à créer des prothèses de plus en plus performantes qui, bien sûr, peuvent m'aider à aller encore plus loin dans le sport, mais qui peuvent aussi permettre à toutes les personnes qui sont amputées en fémoral de pouvoir tester ces prothèses et de goûter au plaisir de glisser, de surfer. Vous êtes un bel exemple de dépassement, bravo. Voilà. C'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Armand Altaï. Son single s'appelle Blueberry Pie et bientôt l'album. Julien Clerc, son album s'appelle Partout la musique vient. Il sera en tournée dans toute la France à partir du 28 février, Julien. Max Boublil sur scène au Bataclan, puis en tournée avec son nouveau spectacle qui s'appelle Grand Garçon. Fabrice Arfi de Mediapart pour le sens des affaires chez Calman Levy. Éric D'Argent, l'association s'appelle Surfeur d'Argent. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Rendez-vous ici la semaine prochaine.
Salut les dames. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.